Aujourd'hui, c'était il y a 50 ans, c'est vrai aujourd'hui en 2011. Et Martin Luther King nous disait aujourd'hui, c'est l'heure de la nuit, c'est l'heure de la violence, c'est l'heure de l'injustice. Ce que je voudrais, chers amis, vous les plus jeunes, vous les moins jeunes, vous qui êtes habitués au CCMD, vous qui le découvrez, c'est que nous prenions cet après-midi, nous renouvelions l'engagement de dire oui au matin qui se lève. Je crois qu'aujourd'hui, une journée comme celle-ci nous permet de renforcer un petit peu les liens que nous avons avec les différentes associations et qui nous permet aussi de travailler au plus près de nos concitoyens. Et c'est vraiment un grand plaisir que d'être présente ici pour partager un peu cette journée avec ses 50 ans et en même temps toutes les couleurs et tous ces gens qui, au quotidien, avec nous, agissent pour la solidarité. Le CCFD travaille avec beaucoup de partenaires et c'est ce qui est intéressant, c'est une des missions principales du CCFD. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, célébrer les 50 ans du CCFD, c'est quand même une grande journée pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir à tout le public, et aujourd'hui ils sont quand même nombreux, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver, un petit peu de faire découvrir le CCFD, les missions. Et c'est une grande journée d'éducation et de développement. C'est assez sympa, ça montre que la solidarité internationale, ça intéresse encore les gens et ouais, c'est synonyme d'espoir et c'est vraiment plaisant. C'est vraiment très intéressant, on rencontre plein de monde, très enrichissant. Je crois que vraiment le maître mot de l'histoire du CCFD, c'est la diversité. Parce que avec tout ce public français, avec tous ces partenaires étrangers, il faut aussi ajouter tous les alliés, les groupes non confessionnels qui travaillent avec le CCFD en France sur des questions de l'agriculture, sur des questions financières, sur des questions politiques. Donc pour moi, vraiment, le mot, c'est la diversité. Et personnellement, je trouve que pour un comité catholique, d'avoir comme maître mot la diversité, la pluralité, eh bien, c'est une bonne histoire, une belle histoire.